nous songe était gain bagarre qui était arrivé sur la lui une machine était attaqué. Oui. Oui. Et depuis elle commencé dossier a vraiment en pile menace et me songe il en a parlé de dossier ça. Ça yeah. OK yeah. Et nous t'as parlé de question constitution. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas bon petit dossier petit. Donc Anna m'a dénoncé justement menace que et qu'a proféré donc à l'endroit et sur la personne de maître Renaud Régis qui c'est magistrat donc cap instruit de ça donc juge là non on a parlé donc pratiquement donc on a marron et est-ce que l'a capable gambé objet de menace de mort le juge Renaud Régis alors Régis. Juge Renaud Régis qui enquête sur l'assassinat de maître Monfrey de Val a dû abandonner très rapide la Kaili pour mettre la couvert. Bien, bien. Parce que tellement de menaces que le juge la prend à un moment à parler là. Donc, monsieur, pas même arrêter la Kaili. Donc, ça veut dire, nous comprenons bien, madame, monsieur. Question casse greffe pour prendre dossier qui a rapport avec l'assassinat, donc, mettre mon frère d'Oval. Donc, ça se passe pas à voilà que qu'on y a un juge là qui a perçu le dossier. Là. Donc, il y a une grosse menace sous dol. Il te demande des moyens. L'obligé de m'en parler là. Il te demande des moyens. Alors, monsieur, il y a une petit bagaille qu'il demande, c'est que porte et côté la instruit dossier. Yo, son petit bagaille, n'importe, et Diego Grand, il frappe pied là dedans, il est ouvert. Okay. Il demande pour yo changer, pour sécuriser. Vous connaissez ouais. Même ça, n'est-ce pas? Il n'y a pas qu'à jouer. Il demande, il n'y a pas de gros bagaille, c'est des préliminaires, petit bagaille que il n'y a pas de demander, non? Correct. Que l'a demandé, il n'y a pas de bayol, il n'y a pas de balil alors. Et sans oublier, gomena ce que l'a recevoir, il vient faire que. Il est obligé de mettre la couverture. Et mettre la couverture avec. Parce que je dis à tout l'État, il ne sait pas d'où il va juger ça, donc sécurité. Il est automatique. Ouais. Parce que, en fait, le président Jovenel Moïse. Il doit automatique. Le président Jovenel Moïse, lui-même dit que les sous-questions, il te dit tout. Il te dit, il te dit la bouche lui-même. Il te dit ici à même. Il est prêt pour. La justice a donc donné à la famille d'Oval, dans le cas d'assassinat de maître Monfrey d'Oval. Maintenant, est-ce que je dis à juger Renaud Régis, pas d'où il gagner, en fait, sécurité avec elle? Bon, la vérité, c'est que tout le monde comprend, et tout le monde qui n'a pas un cas vivre, même si tu es dehors, si tu as fait une nouvelle loi pour un jugement comme ça, pas qu'à faire qu'on y a là. Donc ça va prendre plus de temps. Non, mais l'on prend de assassinat. Tout ça qui passe, l'autre assassinat, tout ça qui passe, non, caille. Ça qui a arrestation, arrestation. Ça qui fait dans la greffe. Ça qui fait dans la greffe. Ou est que c'est pour un jugement ou comment, parce que tout le monde est fini d'accord. Son crime d'État. Un crime de haut niveau. Oui, de haut niveau, de haut niveau. Oui, ça me l'est là. Donc. Et même, je me si pas gagné des mains blancs dans le bazar, même, nous te dis, l'un de parlant d'ici, il y a une question constitution. Nous te dis, j'espère que nous avons le temps d'analyse que nous devons faire. Ok? Et je me demande même si pas gagné des mains étrangers. Ok? Sauf que. Comme auteur intellectuel, donc, une question assassinat, donc, mettre mon frère de Val. En tout cas. Bon, comme je dis, nous-mêmes, ici, dans le matin débat, nous souhaitons qu'en fait l'État haïtien, le gouvernement haïtien, donc by sécurité à juge Renaud Régis. Il a okay? commencé audition, il était en démon déjà. Oui. Et met, alors c'est Osmond Jean. Il était de, avec Jodia même. Il était 21. Il était premier ministre là. Joseph Jout. Ouais, premier ministre là. Il était Kabul d'un donc Joseph. Pourquoi il t'a ajouté qui t'a balle prison? Bon! Non, mais je n'ai pas gagné un intérêt, non, non, pas le est-ce que hein? Je. Ça t'a dit. Mais ils font ils dit la toi, oui. Ils disent lui-même pour l'aller, il faut qu'on pas quelques conditions réunies. Ils font ils la toi, la question, hein. Qui est-ce? Joseph Jout. Bon. Je tiens justement, juge Renaud Régis, t'as dû étendre, Premier ministre Joseph Jout, sous question assassinat, alors, maître Monfrey d'Oval là. Alors d'après vous-même, Premier ministre, t'as dû bailler le ton. Il t'a dû bailler le ton. Ouais. Pourquoi c'est-à-dire qu'il t'a bailler pression, ça? Et pas de pression, juge Renaud prend la non? Est-ce que oui. Mais m'a demandé est-ce que premier ministre là t'a gain intérêt dans ba juge la pression parce que mais pour ça parler et ben voilà dit la trois et conditions réunies on pas que de bagaille monsieur non, sauf que son c'est t'a nous fait premier ministre là dit t'a un coup de pied dans monde dal oui même j'avais qui ministre finissant. Mais et dossier ça son dossier qui est vraiment fragile et j'en dis un bien matin li clair que tellement gen bagay qui clair qui montrait que pas gen volonté pour justice fait tout dossier ça
tout ça qu'a fait Koulia, pour l'instant. Pour l'instant, il va pas. Pour l'instant, j'ai l'impression c'est mais c'est on en paye côté que n'importe nèg, petit monsieur là. Et yo gon danse vraiment ouais. Hmm. Danseuse qui était dansé avec complètement jeune mais comme ça. Da da da. Bon moi monsieur a fait même bagarre là zama non mais yo. Écoutez. En tout cas. Monsieur nous comme ça que si bagaille nous pas gérer. C'est pas gros bagay ça. Nous pouvons prêt pour lui. Et voilà. Très bien. OK. D'accord. Son dossier n'a pas suivi ici. Donc, non. Et cas d'émission. Et matin débat. Jodian, nous allons parler avec le sénateur Youla Tortue. Alors, nous devons recevoir le sénateur Gassa Delva. Mais depuis matin, là, je vais confirmer avec lui. Je ne sais pas si le sénateur Gassa Delva, je ne sais pas s'il va venir ou pas. OK. Donc, s'il va venir, c'est pas un problème. Nous allons toujours prendre rendez-vous avec lui. Probablement s'il va venir, ou peut-être pas la veille. Non, et dans le niveau ça, le coup, on est fort, il y a une petite pression. Oui. Non, non. Sénateur pression, Gassa Delva, charge de pression. Oui. Pression en venir de deux bords. Mm-hmm. Puis, là, nous dit pression, et va, parce que nous voulons dire gouvernement de pression. Non. Gendoua Gonzami Gracia, ma parle de Zami, majuscule, qui conseille monsieur Pavini. Ou moun de Gendoua Wong, pour voir bagay, ou te dit Pavini, li vini. Mais il ka Gonzami conseille. Oui, bien sûr. Nan situation, ça ou pas connaît, comment côté bayou absouti, men. Bien sûr. En tout cas. Mm-hmm. Bon. Il va faire la pension maintenant. Probablement. Ok, on allez. Nous avons trois points sur la blague, deux qui ont fait. On allez. Haïti politique, l'opposition sera-t-elle obligée de cohabiter avec le président Jovenel Moïse sous recommandation de l'administration Biden-Harris? N'a pas marié point ça avec Haïti politique. Le président Jovenel Moïse se dit prêt à travailler avec l'administration. La nouvelle administration américaine, 7 février 2021, l'opposition atteindra-t-elle son objectif? Madame, monsieur, émission Matin Débat, et c'est pas sans raison qu'on Matin Débat nous gagne tout succès ça, parce que recul que nous gagnons vient permettre que nous produisons de profondes analyses sur la situation sociopolitique en fait de ce pays. Et de fait, analyse produite par l'émission Matin Débat, yo, on pourrait que C'est des analyses qui chita. Et c'est des analyses qui chita. Pas grand pile analyse qu'on fait qui pas chita. Et ça parle de 3 ans là. Bon, nous déjà, ça parle de 4 ans là. Tout ça matin débattu tout pour nous. Et nous-mêmes, nous là, justement, pour nous former, donc, les auditeurs de cette émission. Former citoyens et citoyennes. Pour faire connaître justement dans quel pays que vous êtes. Faire comprendre la réelle politique là. Parce que, je dis, il y a des gens qui sont découragés, il y a des gens qui sont désespérés. Mais, n'entendez pas un débat. Nous venons une nouvelle compréhension de la situation sociopolitique du pays. Vous venez garder espoir. Et vous venez comprendre tout. Je dis, il y a une partition que vous avez pu jouer dans ce petit pays, dans sa liée, madame, monsieur. Donc, je dis, nous l'avons si bien analysé pendant cette semaine. Après que Martin Débat, on avait toujours insisté sur un accord politique. Nous t'ai dit clairement. Si l'opposition pas entendu, bien entendu, il y a un effort qui fait dans ce sens, il faut quand même le reconnaître. Et si l'opposition pas une capacité pour mobiliser la population, et nous te même dit, si l'opposition n'a pas de moyens pour le temps rentrer dans la logique de bloquer le pays, même si on a été fait en 2019, pour pousser, de forcer le président Jovenel Moïse quitter le pouvoir le 7 février 2021, il y a une grande chance qui aurait été, une grande option qui aurait été, c'est l'option de l'international, en particulier l'option des États-Unis d'Amérique. Et ça nous a dit. Et nous dit tout. Si États-Unis d'Amérique sont option pour l'opposition, ils sont obligés à faire lobby. Ils sont obligés à faire lobby. Et nous dit tout que ce n'est pas l'opposition seulement aujourd'hui qui tague pour faire lobby au niveau de la nouvelle administration américaine, au niveau de l'équipe Biden-Harris. Il y a également le gouvernement. Qui a option ça dans le tout.
Et de fait, madame, monsieur, c'est ça qu'a fait là, je vous dis là. L'opposition qui est des mouns importants, dans le pays, qui est avec eux, qui branché, donc, sur le plan international, qui gagne de bons rapports avec des mouns, je dis là, qui était dans la campagne avec Joe Biden, et je dis là, qui très proche administration Biden. Il y a des mouns là, je dis là, dans le secteur privé, qui sont des figures politiques également, qui avec l'opposition, qui payent des lobbyistes pour garder qui sont capables d'approcher des sénateurs, des députés, et même au niveau de la Maison Blanche, ok, pour faire parole arriver dans l'oreille de Joe Biden sur la nécessité de demander au président Jovenel Moïse donc, de laisser le pouvoir, madame, monsieur, le 7 février 2021. Mais n'oubliez pas, le gouvernement également, je vous dis, il y a du travail. L'équipe de Mantelli, donc il y a travail. L'équipe de Jovenel Moïse a travail. Le gouvernement tout a fait lobby, je dis. Ok? Pour étape 7 février, président Jovenel Moïse passe en douceur pour le capable d'être jusqu'en 2022. Maintenant, c'est quoi la situation? Et là, nous, je dis à la madame, monsieur. C'est quoi la situation? C'est quoi la situation? On nous retourne, on fait un petit bac. Nous t'avons toujours dit que démocratie, tout comme les républicains, donc les américains, ils ont des gros intérêts pratiquement, madame, monsieur, dans le pays. Et nous rappeler tout le monde que Jovenel Moïse, il fait partie d'une famille politique. Et cette famille politique-là, pour arriver au pouvoir, c'était avec justement le soutien des démocrates en la personne de madame Hillary Clinton, nous sommes venus en Haïti. Suivez mon regard. Je dis, le président Jovenel Moïse a bénéficié du soutien du président Donald Trump dans l'intérêt des Américains. Je ne dis pas dans l'intérêt des Républicains, non? Dans l'intérêt des Américains. Quitte ces républicains, quitte ces démocrates, tous américains. Nous t'ai toujours dit, madame, monsieur, sous table matin débat, c'est quoi le prix du vote d'Haïti contre le gouvernement Maduro en janvier 2019? Parce que quand même, vote a compris sous lui. Et qu'est-ce que le président Jovenel Moïse avait demandé en retour? Information! Information. Le président Jovenel Moïse avait demandé au président Donald Trump de supporter ses réformes. Et c'est une bonne chose à me dire. Dans le deal Venezuela, Américain mandé Jovenel Moïse comme président de la République pour Haïti voter contre le gouvernement Maduro. Et le président Jovenel Moïse, de son côté, a demandé au président Donald Trump de supporter les efforts du gouvernement dans le cadre des réformes engagées par le président Jovenel Moïse. C'est ça le deal. Vous suivez Martin Débat, vous êtes à l'émission Martin Débat. Suivez mon regard. Eh bien, c'est dans quatre oui. Madame, monsieur. Yon président pas en jouet. Gede moun jodi a qui n'a pas permis à tout. C'est bien dit, président Jovenel Moïse, merci. Parce que sous le 4 deal ça avec Donald Trump, Jovenel Moïse comme président, te gen possibilité. En y voyant un noyo, l'ambassade américaine, yon a coupé visa tout. Gede moun jodi a n'a pas ya. Faut dire, président Jovenel Moïse, merci. Parce que te gen possibilité. Pour te voir un homme, il y a un crabe. Parce que, puis il y a là-dedans qui est dans la drogue. Et Jovenel Moïse a choisi la voie de la sagesse. Donc, madame, monsieur, yon président va en jouet. Regardez ce qu'a fait le président Donald Trump. Avant d'aller en moins d'une heure de temps, ou là, il a arrêté 73 bounbe matin à tout. Il a déporté 25 haïtiens.
sans côté l'autre il déporte encore. Yo président pas jouet. Maintenant, si c'est sous base d'il Venezuela et que président Jovenel Moïse te gagne mot 2 des Américains. D'après nous même Joe Biden haïtien lié ou bien payol lié ou bien mexicain lié. Joe Biden son français. Eh bien, maintenant, nous avons parlé à la madame, monsieur, qui donne nous information pour nous connaître. Actuellement, ça tout table là. Chez les Américains, c'est une entente avec le président Jovenel Moïse. Jusqu'à présent. Merci, président. Dossier à pour arriver dans bouche Biden, c'est lui-même comme président. Qui aura à décider. Je ne comprends pas l'entente là. Président Jovenel n'a pas un problème avec. Il n'a pas une guerre avec les Américains comme en tête là. Président Jovenel, c'est le président d'Haïti qui gagne, c'est normal, en opposition et qui en face lui et puis qui reproche le danger de bagaille. Bien. Comment entente? Et Biden avec Jovenel Moïse. Je ne comprends pas. Non, je ne parle pas des Américains. Je ne parle pas de Biden. Je parle des Américains. Dans le deal Venezuela avec Martin Tout. Non, entente là, je cherche. Je ne parle pas d'entente. Je parle d'entente. Non, on dit entente, oui. Non, mais dis que jusqu'à. Alors, entente là, c'est. Alors, est-ce que ce n'est pas opposition? On sort de cohabitation, c'est pas ça? Cohabitation. Alors, cohabitation, vous allez, madame, monsieur. Jusqu'à présent, qu'il là, qu'on y a sur question de accord politique. Donc, il y a accord politique jusqu'à présent. Bon, mais c'est comprendre. Ça veut dire Américains. Les souhaiter ou entendre avec le secteur politique là ici. Justement, il y a encore politique jusqu'à présent. Il y a encore politique jusqu'à présent. C'est ça qu'a parlé là. Et monsieur opposition comme ça. Mais. Maintenant, à quoi comment la privée, à qui Mundou. Alors, accord politique, madame, monsieur, c'est à permettre que l'opposition gagne un premier ministre en bouillon. Également quelques ministères. Et puis, le premier ministre, ça lui-même, libéral, mettez tout le monde en confiance. Et puis, regardez, revisez le processus ou bien le calendrier électoral que KEP a déjà mis dehors. Et puis, gardez tout, ok, légitimité KEP a. Et puis, la question de la constitution. Mais il y a une chose qui est importante. Que ce soit au niveau de l'opposition, que ce soit au niveau du gouvernement, également de société civile, là, tout le monde est d'accord en changement de constitution, dans le fond. Mais tout le monde est d'accord dans la forme. J'accueille Jovenel Moïse comme président. Forme, j'en fais, bagaille là. Manon, il t'a... Mais jusqu'à présent, madame, monsieur, sont question de accord politique qui a parlé là. Maintenant, il reviendra donc au président Biden. C'est lui-même comme président. Les dossiers Haïti après arriver devant, c'est lui-même qui a maintenant tout qui a pour décider. Est-ce que l'on va accepter accord, j'en que l'autre parti qui l'a eu déjà comprenne ni? Ou bien est-ce que l'après le mandat de Jovenel Moïse 7 février 2021 quitte le pouvoir et puis qu'on a rentré dans le gouvernement de transition? En tout cas, moi, est-ce qu'il n'y a pas qu'à ouais et situation tout sous une autre angle? Alors, tout à l'heure, on se pose des questions. Est-ce que Biden, c'est un pagnol? Est-ce qu'il, c'est sûr, ils sont américains. Yeah, ben. Mais, première décision pour là-haut, c'est 17 décrets que le signé. C'est un ensemble de décisions que Trump te prend. Li aller à l'encontre de yo lui-même. Ça qui te dit, deal qui te gagné entre Biden, entre Trump et président Jovenel Moïse, moi sûr qu'elle pas trop regarder Joe Biden. Nous parlons par exemple de l'intérêt. Oui, notamment de l'intérêt. Ça va qui gagne, ça va qui permet de la toute. Sous question Venezuela. Ou est position président américain sur le c'est ça là, c'est l'âme brale déjà pour faire tout les légitimes question voilà pour Maduro là déjà c'est guetant c'est un signal qui voyait pour dire que bon et oui Haïti a gagné droit de prendre décision faire vote contre et est-ce que c'est américain ou bien Donald Trump administration Trump là américain. Non mais là ouais c'est pas américain parce que regardez administration ça qui vini li gétan well autrement ça veut dire c'est pas américain c'était mais, administration Trump là Trump pas un mexicain oui oui on dit chaque président yo ka ba l'autre gens oui yo ouais bagay yo yon gens yo gen politique étrangère donc politique étrangère yo après
c'est deux bagages différents. Politique étrangère Biden et politique étrangère et Donald Trump. Où il est clair que c'est deux bagages différents. Vous voyez bagage autrement. L'autre aspect capable ouais par exemple sous question et bon monsieur que c'est pas Haïti qui premier souci Biden là Kounia. Non. C'est les États-Unis déchirés. Là c'est moi même parce que c'est cadet des soucis de Joe Biden qui sont Haïti. Nous devons, c'est nous qui devons résoudre ça nous devons là, lui-même, dans le cadre politique et étrangère, li, si dossier arrive sous lui, c'est sûr que l'a gagné, bagaille pour le dire, parce que là, nous dans la région, nous concernés par les États-Unis, c'est sûr. Oui. Mais nous pas priorité Biden. Eh bien. Priorité Biden, c'est les États-Unis. Et rien d'autre. Clair. D'ailleurs, ouais, question accord de Paris. Et ouais les États-Unis pas la donne soit administration Trump là lui même nigger dans dire lui même là il a tourné les États-Unis doit la donne donc ça veut dire yo ouais bagaille de manière différente. Ensuite tellement te gagne une rivalité comme si ou après même dans passation de pouvoir aux États-Unis pas ba yo pas fait trop douce que ça ouais même tu parles si c'est pas première fois. Madame, c'est pas la première fois que ça arrive que un président rentre, l'autre là-bas même. Voilà. Donc, président Biden n'a pas aucun intérêt dans sa chop te faire. Tout simplement, s'il était pour un bagage qui était bon pour les Américains, Biden n'a pas le craser. C'est clair. Donc, si le bagage était bon, c'était l'intérêt des États-Unis, je suis sûr que Biden n'a pas le craser. Il doit arriver, il doit passer. Mais on est d'accord avec moi que. Entre pays à pays, il n'y a pas de sentiment. Oui, parce que c'est intérêt. Parce qu'il faut dire, si les Américains regardent Haïti, c'est sous base intégrale. C'est toujours ça. Okay. D'ailleurs, nous-mêmes, ils ont fait ça avec nous. Sous ça, madame c'est ça que nous ne pouvons pas compter, nous ne pouvons pas compter sous eux pour nous résoudre le problème. Nous ne pouvons pas compter sous eux pour nous résoudre le problème. Nous, parce que nous n'avons pas aucun intérêt. Alors, nous n'avons pas aucun intérêt à ce que nous-mêmes, nous presque dit, vignons pays qui stable, qui émerge, parce que yon pas de raison d'être yon, intérêt yon, yon pas de là encore. Donc ça veut dire, c'est pas, yon, tout ça y a résoudre là, tout ça y a fait. Si non Haïti qui arrive dans la bouche au président américain, c'est pour intérêt yon tout simplement. Clair. Pas de l'autre bagage. Maintenant, basé sur ça, on a dit. Alors, je vais finir. Là, concernant, ou te parlé de démocrate qui te mette, Matéli, mais pas oublié. Li pas officiel mais ça que t'es fait dans parlement montrer que gon désaccord gon bouche pas gou entre le président Jovenel Moïse et président Matéli. Donc si gon bouche pas gou entre président Matéli et président Jovenel, donc si t'as gon bagaille si oui entre mille guillemets si t'as gon bagaille qui t'a fait monsieur que le pas t'a parlé dans bon Jovenel là t'a parlé dans bon Matéli déjà sous ça faut nous dire. Faut me poser question. Qui ça équipe Matéli a vle vraiment? Ah oui. Est-ce que c'est un 7 février en douceur qui amène peut-être un accord politique ou bien une transition? Bah qui oui. Ça équipe Matéli a vle? Est-ce que c'est une transition? Ah c'est la question. Mais maintenant la démarche avec la démarche de supporter le sénateur Joseph Lambert, les plus ou moins qu'à mettre en ligne pour comprendre. Vous comprenez, oui. Maintenant si l'équipe de Matéli y a vle en transition, comme y a une relation quand même, y a un lobby, y a fait. Et il y a fait tout donc au niveau de Maison Blanche, il y a encouragé que conseiller politique Biden yo, sous question Haïti, sous question internationale, dit voilà, c'est une transition qui est bonne pour Haïti. Là encore, madame, monsieur, ça pour nous dire, je dis, et ça pour nous comprendre, soit analyse que nous faisons dans le débat, il n'est presque pas paraître évident, bien que le bon est toujours. Moi, je vais parler tout à l'heure avec le sénateur la tortue. Pour ça, regarder comme résultat, opposition Biden, dans la première manifestation avec hier, Baba nous a dit, c'était comme ça, la continuer. Il presque pas paraître évident et que c'est sous pression, là où il y a, et que l'opposition est capable de faire Jovenel Moïse quitter le pouvoir en février 2021. Je vais dire, en tant que Samoué, dans la première journée, c'est par rapport à ça qui est annoncé. Ok? Et gros et fanfa, ok,
et qui t'a soufflé gros tempête qui t'a soufflé sous premier jour de mobilisation hein? Oui. Également pour ça moi hier sauf que gonbaga nous a dit tout à ça qui t'a annoncé oui okay? Alors, ça m'a dit pas justifier non la police, ah, et voilà c'est la m'a dit ça m'a dit pas justifier que pas de gagner et yon pas de gagner jour là non pas de paquet paquet monde pas de gagner ça qui t'a annoncé on t'a dit mon Thaïlande il est accouché on dit sourit vite sauf que pas de gagner monde non fond dit tout face à ça qui t'a annoncé oui sauf que fond dit tout et selon reporter nous la police était non la police était très musclée par rapport avec voilà la police des pouvoirs en pile très anglais sous ça donc ça veut dire intervention la police par rapport avec manifestation qui chaque fois la fête depuis Jean Mounou t'a dit dans l'œuf il est en crasel parce que imagine même yon marche qu'a fait pour question et kidnapping il y a kidnappé moun et il y a le devant résidence premier ministre là on marche oui gaz. Mes amis moun yo pa gen d'aime pa même comme terre caoutchouc même moun yo par le simple fait que yo te c'est université c'est yo mes amis c'est université yo maspiné moun yo à gaz donc ça veut dire gon travail m'te ka di et pour décourager moun dans la manifestation pour décourager moun et prendre la rive faire marche contre insécurité contre quoi que ce soit donc face à comme ça hein, comme on dit si bala continue comme ça c'est comme ça la pire comme résultat il pas trop évident et que c'est sous pression populaire et que opposition a capable pousser d'autres Jovenel Moïse comme président le 7 février 2021 vous avez dit que là sous base analyse qu'on fait là retourne grande option qui c'est option internationale là. Oui. Maintenant, regardez, madame, monsieur. Ça qui toujours l'aide là. C'est qui force lobbyiste opposition hein, avec force lobbyiste gouvernement. C'est force qui va jouer la cognac. Parce plus que justement, madame, monsieur, 7 février, jusqu'à présent, ça nous comprenons là. Bien certain. Bien certain, il dépend justement de l'administration américaine. Claire. Les l'aide, mais n'obligez pas. Les l'aide, mais n'obligez pas. Et on qui va la pidu. Madame, monsieur, vous avez dit que vous avez dit Joe Biden t'a conclu et que ce soit encore politique pour acteur t'a fait ensemble comme président américain. Et puis, vous avez dit que vous avez tout acteur pour l'obliger marcher dans la logique là puis aller en accord avec le président Jovenel Moïse. Et ça, c'est pidu. Parce que nous-mêmes, haïtiens, nous devons entendre nous sous ça. Nous n'avons même besoin que ce président américain vienne dire, monsieur, son accord politique, c'est là la pidu. Et là, la dure. Bon, je pense qu'elle va faire comme ça. Alors, moi-même, je me rappelle des exemples pendant la paléa. Et il y en a un exemple qui passe dans la tête. Moi, c'est 2004. Je pense que c'est ça qui est pitié. Ça, nous pensons que c'est ça qui est ça qui est arrivé déjà. C'est lorsque le gouvernement américain voyez en Haïti, pas n'importe quel personnage, vient négocier avec le président Aristide et lui bail garantie. J'ai l'impression pendant la bail garantie, à même, il y a l'autre équipe qui décide pour venir chercher le président Aristide en Haïti. Très bien. Je parle du gouvernement américain, là, en Haïti. On soufflette à un gros personnage. Mais vraiment gros personnage qui était venu en Haïti venir négocier avec le président Aristide et lui bail garanti dialogue là passé bien bal temps pendant le bail garanti hein, et puis bon l'autre équipe qui décide qui va c'est en bas m'pa quoi là en Haïti c'est en dedans pouvoir États-Unis hein. Ouais, discours de sang, ouais. Bien. Non, il y a problème. Non, même pas c'est ça. C'est pas de problème. Matin. Si pas de problème. D'après nous même madame monsieur, j'ai pas politique en fait. Si pas de problème. Président Jovenel Moïse pendant courir prend des vents pour dire que il paraît pour le travail avec administration Biden Harris. Vous d'accord? C'est parce que un problème. Oui. Autrement, il dit bienvenue. Non, voilà. Non, mais c'est parce que non, non. Est-ce qu'il te dit bienvenue Lambert? Non, ça pourquoi je me fait. Non, ça va me fait. Ah bah, ça m'a fait. L'embête beaucoup de coups. Ça le dit que le problème est maintenant tout.
Comprenez bien, madame, monsieur, pas gagné aucune action posée en politique qui est innocente. Le président qui a écrit, il fait tout, il voit une note. Mais il est obligé. Ok? Mais il est obligé. Attendez, permettez d'être. Il est obligé. Même si elle est obligé. Là, mais il paraît. Il est obligé. Il paraît pour le travail. Barré, oui, là. Barré, barré, barré. Vous marchez pour ça. Vous avez dit que, madame, monsieur, il y a un problème. Comment continuer? Non, mais. Vous rappelez-moi ça, mais. Du fait que il n'y a pas. Il n'y a pas même fait signe à président Sénat Rivière. Eh montrer là encore qu'on quelque part qu'on fâché, qu'on bâti, qu'on code qui pas, qui t'a pas bien accordé. Moi-même, je ne connais pas, mais est-ce que j'ai une responsabilité? Moi, j'entends un peu le monde qui dit. Bagaïti, ce n'est pas lui-même qui est premier pour le président Biden. Mais c'est normal. Mais écoutez, le président Biden, ce n'est pas lui-même qui a chita pour dire Haïti, pour dire la force. Son comité ou bien un groupe qui est responsable, ça, mes amis. Non, mais c'est comme si le président Biden Haïti. Non, mais il y a une équipe qui est responsable de ce Haïti, une équipe qui est responsable de ce Venezuela, une équipe qui est responsable. L'Igué t'en fait ça, mais il y a une raison qui fait que je dis à lobby, il est important. Oui. Et tout pour le lobby. Écoutez, écoutez. Ah oui. D'ailleurs, ni opposition. D'ailleurs, on parlait de métier. Fait lobby. On parlait oui, de métier. Très bien. Lobby, son métier. Son métier, très bien. Mais là, fait lobby. Et touché pour ça. Très bien. Et là, on parle de Washington, c'est l'argent qui a parlé. Très bien. Maintenant, c'est ça que fait. En matière d'argent, lobby, là, on parle de l'argent. Ou pas gagner, qu'on va gagner qui marche, oui, qui presque même niveau que l'argent, oui. Ou qu'on doit gagner l'argent, tomber dans la relation. Très bien. Ou qu'on doit gagner l'argent, oui. Mais gros monde qui est bien, gros monde, ou bien gros monde qui est petit, non, gros université, côté gros sénateur, ou bien, je ne sais pas, gros secrétaire d'État, gros petit li là tout. Voilà que, ouais, là, on a fait un contact, et puis, mais comment, on couloir le créer. Parce que, en termes de relation, par contre, côté bagaille. Non, on va dire, je vais être là actuellement. Je vais être à Haïti, à Konya, là, à la vue États-Unis. Non, on n'a pas l'air là. Donc, c'est sous terrain, ça. Oui, c'est sous terrain international. C'est ça pour nous comprendre. OK? Ouais, je vais être 7 février. Dossier 7 février actuellement, là, la vue sous terrain États-Unis. On attendait que l'opposition, il a gonflé pour un Joe, il a renforcé la capacité de mobilisation parce que vous dans la rue. Alors, d'après le dit, ou je me retourné en 2004 pour me faire un coup d'œil. Mais, ça a toujours passé. C'est à part de Haïtien, Haïtien quand même, le président Mouin a parlé. Mais écoutez, mais ça fait longtemps, depuis, si nous prenons deux Jean-Claude Duvalier à nos jours, où est ces pressions, Haïti, ces pressions le fait, mais question prend, c'est étranger, toujours une prend, président. Toujours. Mais Haïtien, c'est pression. Maintenant, j'ai l'impression, tout ce que tu as dit là, c'est montrer que même pression, comme si Haïtien va faire. Mais vous dites, bon, regardez la situation pour elle. Mais je veux ça là, madame, monsieur, ça me comprend tout maintenant. On est avec Louis Abinader, le président dominicain. Les portes en tout, oui. Les portes en tout. Parce que pas oublier que c'est le pays voisin. Louis Abinader, le comme président dominicain, il y a des rapports tout avec justement et des lobbyistes, et des moonballs, donc au niveau de l'administration américaine. Maintenant, il y en a bien l'autre, que ce soit président Jovenel Moïse, que ce soit opposition. Si le président dominicain voulait fouiller pied dedans, que ce soit Haïti pour influencer les décisions autour. Est-ce que là, il est capable de faire tout? Non, mais. Bon, ça sent pour nous qu'à peut-être bailler au matin. Non, mais, non, mais, qui veut. La vérité, il est fouiller pied. Il est fouiller pied. Mais pour le fouiller pied, il faut qu'on accord. Il faut que les États-Unis d'accord avec. D'accord avec elle. Les papes qui fouiller pied ne sont pas d'accord. À moins ok. Si les États-Unis demandent la ville. L'homme des États-Unis, ouais, bon, ouais. Gardez, tout dépend des secteurs. Bien sûr, secteur là, nous des États-Unis. Faut que nous bien comprenons ça. C'est clair, dans la crise haïtienne. Non, dans la crise haïtienne. Il y a de la ville quand même. Il y a des bagailles. 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 Il y a des responsabilités. Tout. Correct. Et puis, comme ça, tu as des chita avec. Correct. Il y a des plus au courant. Ça peut le passer en Haïti. Très bien. Que on paquet n'est ici. Très bien. Comment ça veut dire là? Mais. La vérité, pour le fou et piel, parce que là, son bail international. Il faut que solliciter. Ah non. Faut que le pouvoir États-Unis est d'accord avec. Correct. Donc, encore, nous retournons dans la même analyse là, c'est que je dis, jouer à Haïti,
joue tête février la vue qu'on y a là dans les États-Unis d'Amérique. Qu'on a, c'est qui est-ce qui va gagner et possibilité et pour influencer donc des décisions sur Haïti, que ce soit pour président Jovenel Moïse quitter pouvoir 7 février ou du moins pour rester dans cadre d'un corps politique jusqu'en 2022, en tout cas, on ne connaît pas. Mais on connaît. Okay? On connaît. En tout cas, on ne connaît pas. Mais c'est sûr pour nous suivre, c'est garder pour nous garder. L'important pour nous rappeler que même si on va parler de secteur politique ou d'opposition, ce n'est pas nègre qui dit opposition, secteur politique d'opposition. Là, il y a un secteur privé, il y a tout le monde là-dedans qui est d'opposition. Correct. Nous connaissons que il y a un pile de changement président qui fait ce secteur privé ou bien secteur économique. Économique, là, oui. En Haïti, à Conchita, en Saint-Marc. Ouais. Nous connaissons que ce n'est pas secteur opposition seulement qui perd du crédibilité. Non, c'est pas. Il y a un secteur économique là-dedans. Mais qui perd du crédibilité. Oui, c'est vrai. Attendez, l'homme, ce n'est pas parce que n'y a pas tant de non. Mais en tout cas, force gagne tout un peu affaibli. Affaibli. Et puis, réforme tout engagée par le président Jovenel Moïse, il vient montrer clairement que gagne là-dedans, effectivement, qu'il y a corruption dans le pays, qui a tout busy l'État. Ça, c'est pas bien, madame, monsieur. Moi, toujours dis ça. Haïti, pas pour contre lui. Ou gagne international dans le Cap Gardé. Ok? Ou gagne international dans le Cap Gardé. Maintenant, il y a un secteur privé, je te dis tout à l'heure, qui t'a doué dit Jovenel Moïse, merci, parce que. Comme président, madame, monsieur le président, bonjour, non? Et dans le cadre d'accord, dans le cadre d'entente avec Donald Trump, ça le demande, le président Donald Trump, donc supporter les réformes. Et bien, c'est même bien tout. Donc, il demande le tout à qui est-ce que lui doit écarter ou pas. Donc, il y a même tout, j'en dis la paix maintenant, tout, il y a un secteur privé qui vient de perdre du crédit, là, dans la bataille politique, ça qu'il a. Il va le difficile, puis on refait peut-être une image. Non, okay. C'est pas parce qu'il y a une force, mais le pourcentage de crédibilité diminue. Maintenant, moi je pense que c'est pays. C'est nous dans le pays qui pour d'accord pour nous frapper les sommes maintenant, pour nous dire nous on. Nous on un paquet de côté, n'aller, go pas il bagaille nous fait, nous te faire pour intérêt personnel nous, pas pour cette terre. Pas pour tes dessalines, pas pour tes ancêtres. Nous te fait pour nous intérêt, mais c'est pour nous te toujours connaître. Ça, li général. Nous gon bagay wa fè gon koto rivo pa ka fè encore. C'est pas même temps. On parle pour tout secteur, c'est ça qui fait nous il est arrivé, faut gon bagay qui changer qui dit tout bon. Mais faut gon bagay dynamique. C'est tout. Ça n'a fait gonfler moun tout le temps. Changer de paradigme. Moun gonfler tout le temps, ça n'a fait. Oh. Donc nous n'a pas médicament chaque fois nous gonfler n'a pas non mais nous ben pas marcher comme ça encore. Et même c'est pour alors nous parlons pour ça, c'est même pour que ce bandit. On a qui dit ou c'est gang, ou c'est chef gang. Et ben voilà ou ka kembe zamou, mais dépendamment de qui objectif ou ba tête toi examen. Dépendamment de qui objectif ou ba tête toi examen, mais li dit dès que toute la journée, les parler de où c'est kidnapping, voler, assassinat, tuer moun. Et puis vous faites presque un paquet de temps comme ça. Comme si depuis on dit tuer moun, c'est tel chef gang. D'abord même, ou après t'es comme ça, pour tout 13 vous naître dans le pays, ou après t'es en vie. Mais pas comment tu es dans celle-là. La nature. Donc, à débarrasser de vous quand même. Pour passer tout vous, c'est de ça seulement. Vous faites kidnapper moun, tuer moun, assassiner moun, voler seulement. Et puis vous pensez qu'on fait tout vous comme ça net. Non, qu'on l'a privé. La nature, de par lui-même, la débarrasse de où. Claire. En tout cas, la propose, la tourne, la tourne. Nous pas regarder qui voit que l'Église catholique qui a joué, le Vatican qui a joué, madame, monsieur, dans la crise Haïti, je veux dire. La tourne. Qui se dédouait avec nous, mais malheureusement, qui pas confirmé, qui pas avec nous matin. Et puis nous a parlé justement donc, de vous-même, hier qui était sous béton. Hein, ou dérivé donc jusque devant l'ambassade américaine. Qui bilan que nous tirer de deux dernières journées et de mobilisation donc de l'opposition, sénateur? Et moi, je crois que nous sommes très satisfaits de deux dernières journées d'opposition. Moi, attendez, il y a certaines voix discordantes, mais peut-être qu'ils n'ont pas gardé et ça qui passait à une stratégie opposition. C'est que
nous entrons dans des marches côté que après deux mois que nous t'ai qu'a dit surtout depuis 18 novembre dernière manifestation officielle de l'opposition nous t'ai dit il faut le réveil et maintenant le peuple dans les rues nous t'ai fait journée ça yo côté premièrement c'est réveil oui vendredi 15 janvier mais pas oublier et c'est au niveau de tout pays il y a des milliers de manifestants Gonaïves Saint-Marc qui était sorti dans l'Artibonite, il y a dans ville Okay, il y a Jacques Mel, Port-au-Prince c'est là dans tout, quoique province là t'est dépassé capitale là et moi crois que le 20 janvier nous vient arriver nous avons capitale qui tellement moi était sorti là lui qui était tellement chauffé côté que moi était déjà à 3000 monde là lui et là nous arrivé en bas pont côté nous gagne 6 7000 monde après un pile batraquage policière gaz coup de bâton il attaque journaliste et là arrivé là monsieur décidé tout carrément que ne pas parler bon il va manifester si peut-être gagner pouvoir qui pensait que l'opposition fait bon qui était nous arrivé plutôt nous arrivé côté pour aller pas au monde qui devait un wash pas des monde qui te fait rien nèg yo crasé yo matraqué nous passé dans le 19 là encore c'est problème et gardou c'est les braves qui étaient arrivés devant l'ambassade là et le coach c'est première fois moi ça comment t'as voulu que m'a ba un message un sénateur de la République m'a ba un message devant l'ambassade américaine là côté gen journaliste qui là et un policier venu et puis là on gaz dans mi temps moi même à journaliste ah bon ça, Abo, devant vous. Ah. Hein? Donc devant la Gégaza. Monsieur la Gégaza, bon pied ma terre, comme si entre moi-même et journaliste, ou qu'on est gaz lacrymogène, ou qu'on fait de deux façons, ou qu'on lance avec main, ou qu'on lance la partie de M40 là. Okay, bien. Eh bien, là où besoin de distance, ou lance la partie de M40 là, si bout de fusil coûte ou qu'on ouen en main si bon yo, mais, il qu'on lance à main tout. Okay, et on commande l'eau à lancer son gaz à main, il faut qu'il y ait au moins 25 mètres. Entre moun kap lanse la et côté la batterie parce que et faut éviter que le tombe dans mitan foule là bon monsieur la gueule sous pied m sous pied même la gueule sous pied même c'est parler m'a parler par contre si vous êtes en direct là ça m'oblige couper message là et puis pour nous respirer pour que nous recommencer 5 minutes après ça veut dire que jodi a l'homme dans situation ça bon pour moi l'opposition a fait son travail l'opposition vini pour te montrer capacité parce que Jovenel te dit peuplement nous t'a pas le montrer ça peuple là mais faut s'il ba li peur parce qu'il pas veut pas nous possibilité montrer que nous va mettre justement 40 000 50 000 monde dans la rue parce que si me déraper à 7 000 monde au côté que tout le monde attend nous sur là moi qu'arriver avec bien bien sans ça moi crois que jodi a le n'ta remen journaliste regarder position yo pour yo pas dire que l'opposition fait non non système côté que jodi a y a maltraité moun yo y a révoqué moun kal dans manifestation y a fait pression malgré tout moi rive en bas pour moi gagner à 6 et 7000 moun et ben image là pour parce que te gen branche qui sorti chan mas là qui passait prend branche là lia nous fait toute la zone avec des acclamations et nous rive en bas pour bien bien. Ok, sénateur Lalotu, et jeudi, c'est 21 janvier 2021, 7 février 2021, et est-ce que l'opposition nous a une proposition claire pour la presse Jovenel Moïse? Très bien, il y a deux bains d'Abdi Loukoua. Premièrement, la question de l'ambassade, où tu vois que il y a des gens qui ne peuvent pas arriver devant, c'était une diversion. C'était, je pense que un cinéma, parce que jeudi, nous t'a dit. Il faut attendre le bon moment. Le 20 janvier, changement de régime, on est qui pas respecté peuple haïtien, on est qui t'est arrivé dans la situation, elle t'est dit, peuple haïtien, elle t'est joué, et mon langage vraiment, moi, t'es dit que m'a même qu'à répéter là, et qui c'est toi, qui pas jamais occupé question droit de l'homme, ni combattre la corruption, ni gouvernance dans le pays, eh bien, t'es bon, l'autre système qui t'est fait promesse, on t'est dit, pour le respecter. Maintenant, est-ce que il y a une proposition. Oui, parce que gagné comité 21 août la capitale à Dipol à tête ensemble. Okay. D'ici le week-end, il y aura cette proposition unique que au niveau de l'opposition, parce que tu es toujours gagné des propositions, mais il fallait avoir cette proposition unique. Bien, bien. Bataille qu'a faite là, Loukou,
c'est vrai international là. Et Renaud Bernadette l'avait dit que la communauté internationale, c'est un parti politique en Haïti, surtout avec leadership et ambassade américaine. Nous reconnaissons force. Mais la force principale qui a fait bouger Bayo, c'est toujours population. Mm-hmm. Et population, il y a plusieurs façons eh bien, pour le manifester. Premièrement, par les organisations. Je dis à nous, toute une communauté protestante, les 5 organisations, ils ont réuni, ils ont dit, Jovenel a fini le 7 février 2021. C'est-à-dire, Mounsayo, j'aimerais on l'autre monde campé dans le secteur protestant qui dit, bon, lui-même, il sortit de là. Donc, c'est une communauté protestante. Et la communauté protestante, il y a plus de monde que la communauté catholique en Haïti. Donc, je dis à nous, parce que c'est presque, nous avons dit, en forme de manifestation de attachement à 7 février. Donc, je dis. Association, yo, qui a parlé de société civile là, nous avons tout parti politique qui a parlé dans la question, et avant le 7 février, le coup, on va le nombre d'organisations, d'organisations dans l'État même, qui va le camper, qui va le dire, que, eh bien, le 7 février est arrivé. Donc, moi, je pense que je dis, est-ce que vous voulez que le peuple là, dans la rue, pour le recommencer, c'est 6-7 février, pour le sortir, pour le bloquer, tout bagaille, c'est là ça lit fort, ou bien, si c'est là, nous pensons que je dis, on forme que nous avons manifesté pour que nous disions le 7 février et que ça n'a pas besoin d'arriver dans la violence. D'ailleurs, la police fait violence avec nous. Retenons nos manifestations, pas gagner, ou à bas journaliste calotte, ou tirer jusqu'à ce que les journalistes radio Caraïbes eh bien, qui prennent balle, ou voyez gaz à plusieurs reprises, sans pas gagner. Mais qui étudie minimum, même si on a fait un mois d'études de police, les condamnés en maintien de l'ordre, le que a sécurisé son manifestation et que yo voye gaz, c'est le que bon foule qui te gavine trop violent et au besoin dispersel. Mais on va voye gaz, le foule là, la marche, le côté de Waléa. C'est le monde à l'envers, oui. C'est la première fois que je comprends ça. Et puis la glace dit que li gen droit ou pas gen droit voye gaz. Ou là pour assurer la sécurité mounio. Et gaz qui n'a mon là, c'est quoi population que yo ba ou pour sécuriser que foule ça l'a empêché. L'autre monde qui va dans la manifestation fait travail, c'est le ça, la loi autorisée la police, eh bien, fait travail. Maintenant, qui est gaz dans la main? Et bon, chef, que nous mettez, qui a fait salver par rapport à la population, non? Tandis que la population a payé, que gaz, et que le gain dans la population cachée, pour sécuriser et sécuriser l'autre monde qui va la donne. Mais quand elle dit le voile, il faut arriver. Donc, je dis à moi, parce que l'heure où arriver, ou pas qu'à quitter le marché, c'est pour peur. C'est peur, population. C'est peur pour que je dis, eh bien, devant la communauté nationale et internationale, ils ont montré que 40-50 000 personnes, eh bien, qui parlent, eh bien, moi, je pense que c'est ça qui fait. Et c'est peut-être ça qu'on a dit. Nous croyons que nous avançons très bien. Il y aura la proposition de solution unique. Il y aura d'autres formes de mobilisation. Et moi, je pense que je dis, jusqu'à présent, Mabdil, il faut un départ ordonné. Et moi, je pense que jusqu'à avant 7 février, tout ça qu'a fait pour que mon départ qui fait sans violence, dans le respect à Haïtien, moi-même, je priorise. Mais cependant, moi, je pense que, ajouter à tout ça, président a dit que l'étonne la main, mais c'est pas vrai, Loukou. Oui, mais si nous étions attachés à un départ ordonné, en tout cas, fait après 7 février et tout, et l'Ika mène nous tout, vers un corps politique, et, sénateur Latortu. Constitution, il y a deux articles, il y a plusieurs articles, là-dedans, même un article, 134.2, qui dit, quel que soit l'ordre prêté seulement, il finit le 7 février de la 5e année du mandat. Okay. Mon deuxième article qui dit, eh bien, ou pas qu'à ajouter ni un jour, ni retrancher un jour dans la question mandat. Donc ça veut dire que, au-delà du 7 février, si nous voulons rester logique à nous-mêmes, qui rester attachés à la date constitutionnelle là, nous pas qu'à ajouter un jour en plus. Ok, il y a donc une nouvelle administration américaine là maintenant, donc c'est Biden-Harris. Et c'est sûr que nous-mêmes de l'opposition, n'a fait lobby pas nous tous, donc sur le plan international, surtout au niveau des États-Unis d'Amérique. Et qui ça qui premier avion donc sur le dossier d'Haïti? Moi, Mabdou Louko, et Marie écrit un livre sur ça, non, par rapport à la conjoncture que nous vivons là de 2018 à 2020. Moi, parce que c'est vraiment pile quoi que le gouvernement gaspillé dans un débat chiffio. Des fonds rapport sur la question de lobby, montrer que le gouvernement dépensé Miami, New York et en Angleterre.
il était devant 300 000 euros également tout à Paris. Et moi, je crois que c'est vrai, le gouvernement a dépassé un pile comme. Mais moi, je crois que fondamentalement, ce n'est pas une question de lobby. Ou t'es grand président Trump qui te dit, la deal, balle vote et puis la protéger Jovenel. Donc, c'était le mot de Trump. Et c'est vrai que le lobby qui t'est fait pour l'opposition, pas porter parole là dans le Congrès, pour ne pas porter quand même dans l'établissement. Puisque quand même, même si un président parlait aux États-Unis, mais il y a différents établissements, Pentagone, State Department, côté l'armée, côté que ou capoter des informations, que même si le président va vouloir, eh bien, information ça va agir. Bon, tu gagnes une sorte de lobby pour ne pas porter. Mais cependant, pendant que le président Trump était là, il était bloqué et il était difficile pour parole noire de arriver en côté. Maintenant, avec le président Joe Biden, parole ça la privée. La privée côté l'IVA. Mais ce que l'opposition a pour le moment, c'est une question de lobby parce que l'opposition n'a pas de problème. Nous avons des démocrates, nous avons des amis au Parlement et au Congrès, dans la commission, dans différentes commissions, on a besoin de dire ce qui ont même décidé que ce qui a passé à Haïti n'est pas bon et que eux-mêmes, étant donné que ont porté un poids dans la politique d'affaires étrangères, ils ont le parler. Ils ont le parler à président Joe Biden. Ceci est différent du lobbyiste. Et c'est pour ça que nous devons, et l'ambassadeur Bouchit, qui a couru à l'ouest depuis les Levin, pour que l'ITK essaye d'empêcher de porter parole là après 20 janvier. Ce que le député Levin font tweet, il dit qu'il n'y a pas rencontré monsieur encore. Parce que ça, monsieur Vinbayo, c'est menti. Donc, l'ambassadeur a doit dépenser 500 000 dollars dans le passeport aux États-Unis, il doit dépenser 700 000, mais côté pour le porter parole là, parce que pas oublier, non, l'OBIA, c'est des gens qui sont attachés, surtout avec le Congrès. Pour que vous portez des paroles par rapport à pays, par rapport à des organisations. Mais si le Congrès a grand temps, lui-même, lui fait conviction de là, je ne sais pas, non, côté comme ça, va le tomber là. Peut-être, aucun doit l'essayer, bon, exécutif là, mais exécutif aux États-Unis, soit le côté comme ceci est anormal et illégal. Pour pas qu'il doit faire, l'obéissance là, il doit accepter au niveau du Parlement. Donc, moi, pense que je dis, là, nous-mêmes, au niveau de l'opposition, moi, je crois que nous avons des amis démocrates qui ont même capoté un dossier et a porté dossier par rapport à violation qui fait question droit de l'homme, par rapport à mauvaise gouvernance, question tout décret et autres, par rapport à question institutionnelle, yo, côté nous, qu'en Haïti, institution plus pas existe encore, alors que la CAIO, si ce n'est pas institution forte, même Joe Biden va apprêter ses mains. Donc, nous avons abordé la question 61. Nous n'avons pas qu'à faire concours de lobbyistes avec le gouvernement qui vient comme nommé ou non, mais nous, il y a des principes démocratiques que nous croyons que, eh bien, il y a des gens qui portent, par exemple, ces députés, et que par rapport à ces principes, nous avons poussé avec eux, et nous croyons que je dis, c'est la détermination, notre volonté et courage, nous, qui a fait nous arriver là, parce que je dis, ça qui est important, nous connaissons lutte la calonne, mais nous connaissons qu'au début, nous avons une victoire, même si c'est au moins, même si c'est deux jours crétés, parce que, en définitive, leur apporté valeur, ça y est, de bonne gouvernance, de respect des droits de l'homme, ou pas qu'à perdre, ou qu'on doit prendre temps. On est qu'on doit pendant longtemps le montrer, les fort, qu'on doit dire la parité monde, mais ceci n'a jamais triomphé dans le monde, et quelle que soit la dictature, il a toujours fini par tomber, et il a toujours fini par envoyer. Ok, sénateur Latortu, c'est clair que nous avons une proposition qui a peaufiné, qui a apparu donc sous peu. On dit que 7 février 2021, bon, le président Jovenel Moïse donc quitte le pouvoir. Nous-mêmes, nous là, nous allons aller vers en transition. Et dans quatre transitions, qui ça nous propose pour le pays? Écoutez, et une transition pour faire qui ça? Allô? Oui, une transition pour faire qui ça? Oui, transition, c'est exactement pour faire qui ça? Transition, c'est pour quand on voit que le pays a, eh bien, il y a certains problèmes qu'il a dedans. Qui pas, problème ça n'est pas sorti de président Jovenel seulement. Président Jovenel rentré dans le cadre là, et il ne vient pas changer au cap que lui-même, il a une possibilité de changer pendant longtemps. Il y a des problèmes qui existent depuis longtemps, depuis, moi, je t'ai dit, 80, depuis une nouvelle constitution, que ce soit social, politique, économique, et pas problème que constitution, bah, non. Mais il y a des problèmes de gouvernance posés. Et nous pensons que jeudi, il faut nous garder dans l'autre champ. Les problèmes sérieux social, économique et politique. Nous pensons que jeudi, le pays a
li pa ka fè face à cour constitutionnel la. Nous avons une constitution qui mande nous en réalité électorale chaque 2 ans, chaque 4 ans, chaque 5 ans, 3 élections dans 5 ans, nous pas capoter. Nous avons une constitution qui mande nous pour que nous arrivions à un système d'assemblée, alors que le système d'assemblée a coûté cher. Nous avons un système économique qui, je dis, eh bien, tout le monde a dénoncé, mais qui dans les faits, exactement, le système, ça allait toujours perdurer. Comment nous pouvons parler ensemble pour nous voir comment nous arriver à entendre nous sur un système à travers une conférence pour que nous portions dans la loi, en la constitution, qui pour changer la réalité que tout le président est venu après. Ça, c'est au niveau, moi, je t'ai dit, gros travail structurel que nous devons faire, mais au niveau légal. Parce que nous ne pouvons pas changer le système économique là, le système social, mais nous devons changer au niveau légal dans la constitution et dans la loi. La deuxième chose, dans la conjoncturelle là, comment que, eh bien, en transition qu'à réaliser des élections honnêtes, crédibles et démocratiques pour que tout le monde participe. Comment yon qu'à arriver prendre des mesures pour que la police là, li combatte vraiment bandi yo et que nous diyo soit en prison ou dans cimetière. Comment nous qu'à prendre des mesures pour que jodi a pays a qui sont état unitaire, qui sont état de droit, li pa gen des zones là-dedans que moun pa ka aller. Ou pas qu'à faire trop bagaille dans la transition. Il faut transition pas trop lourd. Il faut transition garder certaines mesures conjoncturelles. Il faut garder question conférence pour que nous entendons nous sur Jean-Pays Sadouillet. Et il faut réaliser des élections crédibles, honnêtes et démocratiques. C'est ça que vous voulez réaliser. La présence de Jovenel ne pas permettre que Jodi Amoun ait confiance dans l'élection avec parce que vous avez toutes les démarches que vous faites. C'est des démarches personnelles allant vers son renouvellement. Deuxièmement, le président Jovenel a raté question système là pour le mettre au niveau légal constitutionnel. Il a fait des actions isolées par rapport à des bagailles qui rivellent. Ce n'est pas comme ça pour attaquer le changement système. Et troisièmement, nous arrivons côté que, je dis, nous sommes au niveau sécurité. Nous ne pouvons pas vivre vraiment dans le pays. Alors que, je dis, moi, pense que nous avons des policiers, nous avons quand même un système que si nous mettons en marche, nous qu'à arriver résoudre pas de tout problème un seul coup parce que quand même question sécurité là n'a pas l'en transition pour qu'on mette là non écoutez moi même c'est partisan d'une transition au moins de 2 ans ok constitution faut mon yo parler pour faire changement et deuxièmement louko pas gen moun k'ap dou et transition pour pas dou si on veut la transition de l'élection. Quatre démalogues, je vais publier le rapport démalogue numéro 2. Il n'y a pas de prénom avant 2022. Ça veut dire que je dis à nous, nos situations, que même si on est arrivé là, il a besoin de faire élection. Il faut attendre minimum, si toutes les conditions sont réunies, minimum un an, soit en avril, jusqu'en avril 2022, pour tout le monde qui a une possibilité de faire. Et c'est à partir de là qu'on a fait liste électorale là, que qui doit prendre 3 mois pour arriver dans la CEPA. Donc, ça veut dire que ça te met en juin 2022. Donc, je dis à moi penser que techniquement, et c'est ça le rapport a dit, le rapport que nous faisons, d'après la dernière réunion qu'il y avait entre le PNU et l'ONI, directeur et représentant de l'ONI a dit eh bien, à BINU que même en avril 2021, les opposés des questions de référendum là, c'est 4 200 000 personnes qui ont fait 4 pour eux, alors qu'il y a 7 500 000 électeurs. Donc, si vous prenez donner ça à l'ONI, il faut aller jusqu'en avril 2022 pour que chaque Haïtien ait gagné son compte. Et moi, je pense que je dis, problème que le président a soulevé, à savoir des questions bâtissaires, mais ce n'est pas sérieux. Le rapport des États généraux sectoriels qui sortit en 2018, je te remets par le président a dépassé 42 millions de gouttes pour mon yo te faire rapport. Non, il dit en de rapport, il dit que problème ça a posé depuis longtemps et que faut résoudre lui. L'autre jour, je me suis dit le problème bâtisseur comme si bâtisseur qui veut. Non, rapport ça président est au courant de lui en 2018. Donc, il y a des problèmes qui étaient là, il n'y a pas arrangé. L'ONI, il y a des problèmes structurels, plus des problèmes légaux par rapport à la question de ça là. Et malgré tout, même si on n'a pas tenu compte de problèmes ça, yo, même si c'est l'ONU Jean Lia qui t'a fait, sans audit que nous m'en disons, c'est en avril 2022. Donc, pas de transition qui a arrêté
pour ta dire ou pas le faire une élection sur le crédit Baudet pour que tout le monde gagne 4. On y a 6 monde gagne 4 là, il va le voter. Eh bien, ça c'est notre première démarche. Mais on pas faire une élection, on pas faire une élection démocratique. Dans l'élection démocratique, il y a deux barres pour gagner. Il faut le document juridique qui est la loi électorale. Il faut le document de vote qui est la carte électorale. Donc, si on va gagner deux ça, on va gagner l'élection. Eh bien. Merci en pile, sénateur. You la tortue, merci en pile. Je vous remercie. Bon, voilà. Donc, c'était donc le sénateur You la tortue. Et Jacques Ndap analysé tout à l'heure là. Et alors, hier, et Bricoui, pas Bricoui, bien entendu. Et sur les réseaux sociaux, après qu'il y a des gens qui disent que l'opposition a échoué, l'opposition n'a pas fait monde. Et sénateur Latour, tu prends gaz, donc tu as essayé d'expliquer ça maintenant, donc en cadre d'émission matin débat. Alors, ça pour nous retenir, c'est que l'opposition a travaillé sur une proposition et qui a finalisé probablement, qui a paré bientôt, avant le 7 février 2021. Alors, sénateur Latour, tu as parlé d'un départ ordonné. Et il me dit tout à l'heure. Si on a parlé de départ ordonné, il a fait avant 7 février, il a fait tout après le 7 février. Par exemple, si on dit que, selon l'article 134-2A, le mandat fini 7 février, il n'y a pas de jour en plus, pas de jour en moins, il y a un départ ordonné, le président Jovenel Moïse Kadoutou, si il est arrivé et accepté pour le 7 février 2021, pour le docker, il n'y a pas perdu un jour dans le mandat, ça tout, si. Or, président Jovenel Moïse, clair lui-même, il a un mandat jusqu'à 7 février 2022. Maintenant, si un départ ordonné, il a fait avant, il a fait après tout. Et nous avons analysé la question ça déjà, a fait départ ordonné en matin débat. Et départ ordonné, s'il fait après, il a fait en septembre, il a fait en novembre, il a fait en octobre, dépendamment de qui ça, à quoi, pral bail. Ok? Maintenant, pour l'opposition, il y a même eu clair 7 février, Jovenel Moïse, donc il doit quitter par l'air. Maintenant, il y a une proposition, il y a finalisé la Cap Paris bientôt, et il y a proposé une transition de 2 ans. Et, bien entendu, dans 2 ans, il y a une question constitution avec question élection. Bon, il n'est que d'attendre, n'a pas gardé pour nous. Alors, comme matin, il va nous analyser la question avec vous. Il y a une bataille politique. C'est qui est-ce qui a gagné la bataille ça? Est-ce que c'est le président Jovenel Moïse? Ou bien est-ce que c'est l'opposition? Nous-mêmes, nous toujours là pour nous garder, pour nous capables d'analyser. Ok. Pas oublier que jeudi, c'est jeudi, donc que c'est Voix Femme avec Samanda Saint-Amand, Love Marie Dali Daguerre également, donc James Bertrand. Et nous avons invité, que nous allons recevoir tout à l'heure, mais avant, on nous garde des questions qui ont rapport avec l'Église catholique. Mais maintenant, à toutes, le Vatican pourra-t-il jouer un rôle important à travers l'Église catholique dans la crise actuelle que connaît le pays? Est-ce qu'il est capable? Il est capable d'habituer Feli. Alors, pour qui ça, madame, monsieur? Parce que déjà, dans la rouille, ok, il y a des noms qui sont déjà sous table pour l'église catholique. On a vu avec nous ça, bon, peut-être la semaine prochaine. Ok? Mais il y a des noms là déjà qui sont sous table donc pour l'église catholique. Maintenant, est-ce que Vatican est vraiment capable de jouer ça? Vatican, par exemple, comme institution, son gros institution. Son institution qui est très forte, Vatican. Maintenant, représentant Vatican en Haïti, est-ce que il y a toujours une crédibilité population pour utiliser même force là? C'était pour jouer, est-ce Vatican. Est-ce que l'Église catholique a même crédit à toujours, oui, crédibilité à toujours? Représentant en Haïti. Bien. Oui, on est capable, représentant en Haïti, même si on a parlé ces jours-ci de en dans l'Église catholique et bagaille un peu divisé parce que gain Montfortin, gain Saint-Jacques, gain séculier, gain on sait de groupe qui viennent dans intérêt au chaque viennent rendre que l'Église catholique vient un peu affaibli. Tout dépend de façon ou elle, tout dépend de comment on fait réflexion? Parce que longtemps, l'entimoun, nous, ou bien Tegen, nous pas de connaître, mais nous pas de contenter, équipe ça c'est Montfortin, équipe ça c'est Saint-Jacques, et séculier, nous pas de tenter ça, nous te connaissons pas l'église catholique. C'est ça, nous clair, te connaissons. Donc, mais c'était pour, comme institution, oui, comme institution, si l'église
catholique en son entier. Institution by position. D'ailleurs gon messe qui t'a fait non l'église où tu vois que tout en dedans a créé un seul bagaille. Oui, oui. A créé un seul bagaille. Oui. Donc s'il continue fait louko l'église catholique, l'église protestante et guetta prend position déjà. Et c'est quand coup yo passé à l'écrit ou beaucoup passé à l'oral. Parce que nous toutes nous toujours attendre mouvement dans la rue. OK. Mais l'église protestante guetta prend position que il y a ou capitaine effet dans la rue ou beaucoup well. Mais et la parce que prend position c'est yon. Oui. Et mobiliser la rue c'est deux. Oui, parce que c'est oral là. Okay. C'est oral là qui prend position pas obligé. Et président qui te pouvoir pour ça, prend position. Non. Maintenant, c'est qui sont qu'à faire à position. C'est réalité là où il y a. Les bons étant comme institution, ou sortir en proposition. Mais après ça, il faut nous faire suite là. Bien. Donc, c'est ça, mais c'était pour l'église catholique. Bon, ça c'est clair. Et moi, c'est que si l'église catholique, ça nous connaît de l'église catholique là, s'il arrive à faire, et bon, c'est. Donc, il y a assez de crédibilité là, je veux dire là. Donc, crédibilité à. Pour ta jouer Walsa. Yo ka jouer mais qu'on y a est-ce que n'te cap dou c'est renforcer pour renforcer parce que vous senti tes gros petits problèmes. Eh ben. Et entre n'te cap dou Montfortin et Séculier, c'était tes gros petits problèmes, pas connait. Mais si vous voulez respecter tête yo, vous voulez n'te cap dou Kimbé, force tout monde connaît Vatican non. C'est l'église catholique. Fait le gens qu'on fait là. Et ce gouvernement pas qu'à infiltrer l'église catholique. OK. Yo été unis. Bah, que... Ok, Esaü, c'est ça, comment est-ce? Bonjour, le connaisseur, bonjour, population haïtienne, bonjour, la diaspora, bonjour à toutes les amis, auditeurs, un peu partout à travers le monde. Eh bien, le connaisseur, c'est un pays en mouvement, un pays mouvementé, un pays, et c'est cascade de manifestations, cascade de mouvements, par-ci par-là, cap fait en de capitale là, cour de province, non, on n'a pas la voilà la grande manifestation qui a déroulé dans Miragouane, côté sous. Manifestation dans Miragouane. Dans Miragouane, sous l'obédience, Nenel Kassi, mais en pile nek qui sont pour le prince, traversé aller Miragouane. Non, on n'a pas la voilà là, nous dans la zone Tioujo. Tioujo, côté, tout près CAS. Là. CAS, c'est 15 assistants sociales. Nous, on est un ministère d'affaires sociales, c'est un pile problème. Et le ministère lui-même, lui coincé le fermet. Mais depuis combien de temps, le ministère va fonctionner? Eh bien, divers employés au niveau de la CAS. Mais qu'est-ce assistants sociales? Il y a son mouvement de décampé, côté, n'a pas la voilà là. Messieurs, dames, bonjour, c'est Mazen Débat Radio Éclair. Ça se passe exactement. Qui ça mouvement ça y est aujourd'hui là? Mazen Débat, bonsoir. Respect pour nous, respect pour Balouko. Esaïe César. Respect pour Louko Désir, respect pour nous. Et je ne dis pas faux combat là contre le ministre des Affaires sociales là qui c'est Nicole Altidor. Nous-mêmes, je ne dis pas là, nous nous écampons pour nous demander, ministre Altidor, est-ce que nous-mêmes nous pas monde? Est-ce que nous-mêmes nous avons petite, nous avons madame pour nous occuper? Six mois de travail, est-ce que nous-mêmes nous pas occuper pas nous? Contre nous, nous sommes nous qui convocation qui va jamais agréer. Nous avons pas qu'un bagage en temps que nous puissions pas jamais gérer. Depuis septembre, nous touchons nous pas jamais beaucoup de nous. Est-ce que nous-mêmes nous pas choisir de les camper? C'est un septième pour ça. C'est depuis le ministre entre là son problème. D'abord, ça m'apprend de laisser Kokota Figaolier, Mbakone, Mbakone, là, non, bah, il est. Kokota Figaolier, Badal Shoot, Non, on sait qu'il y a pas là, nous allons monter, nous allons bloquer le ça. Et nous, ouais, comme nous, c'est contre le travail. Ça veut dire, on ne peut pas avoir un job et puis voir le travail contre lui encore. C'est ça. Même les mêmes voleurs, mais le pas si bon, j'ai fait le constat. Voilà, donc c'est ça, nous connaissons.
Voilà, vous connaissez, donc vous commentez à passer là. Donc, qu'est-ce que l'assistance sociale qui donc est CAS? Nous connaissons, alors nous connaissons, on est arrivé là. C'est que employé CAS, pour faire mouvement, le mec a fait ça. Sous chaque employé l'État, sous chaque employé qui travaille dans le privé, ils ont retiré l'argent sous eux pour capable de gérer ce CAS là. Pour qui ça employé au banc, c'est la grande question qu'il faut se poser. Donc ça veut dire que c'est un gros problème, le coup des yeux. Dans la mesure où le ministère des Affaires sociales fermé, c'est le ministère les mêmes, c'est le ministère de tutelle de CAS, de Caisse d'assistance sociale. Donc, je voulais le dire là, employé ça, il y a un mauvais coup, on casse à bouler, non, on n'a pas la voilà là. Où tu veux là, les bloquer, qui donc machine soit passée. Sous mon sortie, dans la zone en bas la ville, pour monter pour ce géo, ou pas capable. Donc, à moins que vous avez vu que, dans le niveau zone Kaboutifou, pour monter dans Jean-Paul II. Qui donc, non, on n'a pas la voilà, ce gros mouvement de récompense, messieurs, dames, CAS a organisé, pour capable de demander, pour réclamer l'argent que vous avez. Mais en plus, tout le monde, il faut que nous à cause de mouvement ça, eh bien, gagné divers jeunes garçons, eh bien, t'es croisé dans zone, dans l'air du 7 mars. Qui eux-mêmes, eh bien, a réfléchi sur ensemble de problèmes qui a saccagé le pays. Et c'est comme ça, et il y a plus là-dedans qui dit que, est-ce qu'il est bon pour qu'il y ait un dialogue entre les partis de l'opposition et le pouvoir en place, et le secteur privé des affaires, la société civile. Donc, c'est toute question ça qu'a posé, je veux dire là, et que, en plus, jeunes garçons, jeunes femmes qui ont une organisation populaire, ils ont même, ils ont réfléchi pour capable d'avoir une réponse. Et c'est dans ce sens ça qui fait, il y a un responsable, et Force Bastia, monsieur lui-même, il y a même là, et monsieur Pralbaï, disons-lui, nous connaissons sous, chaque personne dans le pays. Et, comment, bonjour, chaque passé même. Et je salue Louko, je salue tout auditeur d'ici. Et même ce qui me passe là, je veux dire là, nous comprendre que dans ce pays-là, et pas aucune crise nous a résoudre dans le pays-là, par la jambe ou par avec force. Mais je veux dire à nous comprendre que le pays n'a pas pour Jovenel, le pays n'a pas pour, et comme des gars qui sont en mais c'est nous qui sommes haïtiens qui nous mettons ensemble pour nous résoudre crise qui a traversé la société, pour nous résoudre crise qui a traversé le pays, c'est le dialogue, notre tête ensemble, nous avons résolu tout problème. Par contre, aucun pays qui a un problème pour nous résoudre avec des amours, pas casé, brisé, c'est notre dialogue, c'est notre tête ensemble pour nous résoudre le problème pays. C'est notre tête ensemble, en tant qu'haïtien, je ne suis haïtien, nous devons jouer même droit avec tout le monde, mais pendant ce temps, nous-mêmes, tous qui sommes haïtiens, nous ne pouvons pas résoudre le pays ensemble pour jouer seulement. D'abord, de tout acteur, mettez-nous ensemble pour que nous fassions une solution de crise pour le pays, pour que ça traverse le pays, les petits tout à battre, mais pendant que parler de dialogue, ça, au niveau de l'opposition, on connaît que nous-mêmes, la force Bastia et force Belay, nous faisons partie de l'opposition. Ça, je veux dire, qui ça a changé dans le discours, ça, pendant que nous connaissons que, en pile, l'organisation populaire qui, lui-même, s'est demandé pour que Jovenel Moïse lâche mon cri. Côté revue, moi, ça sorti. Bon, je ne nous dis ça encore. Moi, monsieur le Bastia, nous-mêmes, et ensemble d'organisations politiques qui bataille sur béton, nous disons, admettez-nous ensemble. Pour que selon l'accord politique 7 février pour Jovenel aller, selon l'accord politique tout, pour que ça pour faire la boule 7. C'est-à-dire, quelle que soit façon liée, c'est dans le dialogue nous avons résolu, quelle que soit façon liée. Même si le Bassa, ensemble avec l'organisation de base Cap Gouméo, nous dit Haïti, en force pour Haïti, mais c'est notre dialogue nous-mêmes, nous avons avancé, c'est notre dialogue nous avons fait tout ça en capable parce qu'aucun pays dans le monde qui a une crise. C'est notre cas de briser le résoudre la crise. Même si ça, c'est notre dialogue, c'est notre tête ensemble pour nous résoudre toute crise. Voilà, donc le coup de désir, c'est comme ça, et monsieur lui-même placé mon pal là. Alors, la nouvelle, alors l'information qu'il faut retenir, le coup de désir, eh bien, c'est que dans le jour qu'il a fini là-haut, depuis ces machines qui vite testées, DPP, le direction générale, police nationale là, prend disposition pour DPP, VIP, machine, non PIA, parce que selon certaines informations qui ont circulé, en pile kidnapping qui fait, c'est majorité machine qui fait kidnapping, c'est machine qui filme. Qui donc,
et gagne des dispositions qu'à prendre là, et qu'à étudier tout pendant pas la voilà là, et on étude qu'à fait sous question, machine filmée, mais même j'ai en tout, machine qui est plaque officielle, machine qui est plaque officielle, plaque diplomatique, qui eux-mêmes, c'est pas vrai plaque officielle, vrai, c'est pas vrai plaque diplomatique, sinon je voudrais dire là, un pile monde, impliqué, dans ce kidnapping là, et vous travaillez qu'à fait au niveau de CFPN, Conseil supérieur de police nationale là, pour qu'il soit capable de faire son réponse selon la dernière information qu'il y a, c'est que DCPJ a même prêt à le craquer tout côté qui gagne kidnapper, tout le monde estime qu'il gagne doit être campé de près ou de loin, mais que ce kidnapping là, alors nous allons dire, ou pas nous comprenons ça, mais au fond de la loi, un préfixe qui donne un PF et camp au côté, et puis après quelques 30 minutes, PF la sortie, et puis on kidnappe le monde dans l'espace là. Donc, et puis, il y a des investigations qui ont mené là pour qu'on ait exactement quel lien qui est entre policiers qui n'ont pas FSA, qui n'ont pas préfiction avec Moun qui a fait kidnapping. Donc, nous connaissons, c'est trois dossiers qui sont dans la République en pile bagaille. Mais en tout cas, nous connaissons, et grand pile problème, oui, si Jean a baillé choix là en pile problème. Un problème parce que y a bâche là en pile par en pile sous base que et si gens t'a raconté trop bagaille sous base que choix là t'a fait qu'on est et que mais tout secteur qui est pris dans le kidnapping bagaille et moi même là je crois avec moi dit même pas qu'on est le bâche là choix là c'est choix là si gens c'est Tijan qui donc si gens pas Esaïe César Esaïe César pas Tijan qui donc il faut que nous on fait en pile différence entre choix là avec Tijan qui donc